Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous me voyez bien, je suis en voiture, j'espère que ça bouge pas trop et que c'est pas trop inconfortable pour vous. Voilà, je fais cette vidéo justement parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui parce que je suis archi overbooké. D'ailleurs, c'est les derniers jours pour prendre la formation. Voilà, c'est juste une dinguerie, il y a énormément de personnes déjà qui nous ont rejoints. Succès énorme et encore une fois, voilà, du fond du cœur, je suis ultra touché. Donc vraiment, bienvenue à vous tous et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, qui hésite, c'est maintenant les bébés. Bref, c'est parti. Ok, donc quelques mots sur ce concept de j'ai pas le temps, parce que c'est quelque chose que j'entends énormément. Et Dieu sait que c'est quelque chose que je comprends, parce que je suis quelqu'un, encore une fois, avec un emploi du temps de malade mental. Mais quand j'entends quelqu'un me dire j'ai pas le temps, ou c'est trop chronophage, ou moi tout ce que j'entends c'est j'ai pas envie, d'accord. Et alors peut-être que vous allez me dire que je suis intolérant, et c'est fort probable, d'accord, c'est fort probable. C'est vrai que j'ai tendance à faire le temps, et j'ai la conviction profonde en fait que quand vous voulez quelque chose, c'est possible, et c'est ce qui va faire la différence en fait. Quand vous allez vouloir accéder à un certain niveau, quand vous allez vouloir accéder à d'autres choses en fait, tout simplement pour changer votre réalité, c'est pas en travaillant de 8h à 18h, de 9h à 17h, peu importe ce que vous faites, et en rentrant chez vous, en manger, en vous posant devant la télé, les infos, Netflix, etc., que vous allez faire la différence. La grosse différence, elle va se faire à un moment précis et qui va dépendre de votre emploi du temps à chacun. La différence, ça va se faire entre 19h et 3h du matin. La différence pour moi, quand je travaillais dans la restauration 15h par jour, la différence, elle se faisait à ma pause repas, deux fois une demi-heure dans la journée, quand je travaillais de 9h à minuit. C'est à ce moment-là que la différence se faisait. Et encore, je me levais tous les jours, à 5h30 du matin, pour aller au sport, pour lire, pour m'instruire, pour travailler, pour faire les recherches sur les codes, sur les matchs, à quel moment est-ce que les buts ont été marqués, à quel moment est-ce que je vais trouver mon avantage sur les marchés, tout simplement, d'accord. Et en fait, je pense que c'est ça la clé de mon succès, et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé le temps, j'ai créé le temps, d'accord. Quand j'entends du « j'ai pas le temps », encore une fois, il n'y a pas de jugement, parce que c'est pas fait pour tout le monde, j'entends « j'ai pas envie », d'accord. Et je discutais hier avec quelqu'un qui est juriste et qui est adorable. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à booker votre appel, les amis, sur le site. C'est gratuit. On se parle en face à face, en visio, pour faire un petit point sur votre situation et voir comment est-ce que je peux vous aider. Je vous propose, j'essaie rien de vous vendre, juste pour voir comment je peux vous aider, d'accord. Et cette personne est juriste et elle gagne à peu près 2100 euros par mois. Est-ce que c'est suffisant de gagner 2100 euros par mois dans la société actuelle? Malheureusement pas, en fait. Malheureusement pas, en étant tout à fait honnête, d'accord. Je dis pas que c'est un salaire horrible. Je dis juste que c'est pas suffisant, d'accord. C'est pas suffisant pour aller en vacances où vous voulez. C'est pas suffisant pour vous faire plaisir, pour emmener la personne que vous aimez, j'en sais rien, au restaurant 3-4 fois par mois. C'est juste, hein. Si vous habitez en région parisienne, déjà c'est impossible. Oublie bébé, oublie tout de suite. Ce que je veux vous dire, si vous changez votre réalité, tout est possible. Tout est entre vos mains. Il faut simplement vouloir le faire. Il faut faire ce qu'il faut. Tout simplement, il faut mettre les choses en place pour y arriver. Et pour le faire, vous savez, c'est un petit peu comme comment perdre du poids et comment devenir musclé. Il faut que tu aies ta diète au point, bébé, et il faut que tu ailles au sport. Il faut que tu arrêtes de bouffer ou que tu bouffes moins et que tu ailles au sport pour perdre du poids. Tout le monde veut une pilule magique. Tout le monde veut une petite pilule bleue ou une petite pilule rouge. Tout le monde aimerait être à la place de Néo. T'as qu'à prendre une putain de pilule et ta vie va changer. Et ouais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, ça en passe par du travail, par de l'effort, par se lever un petit peu plus, par faire du temps. Et encore une fois, voilà, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous faire la morale ou pas du tout. Au contraire, elle est juste là pour vous dire j'ai réussi à changer ma réalité parce que j'ai pris les bonnes décisions. J'ai réussi à changer ma réalité parce que j'ai changé mon quotidien, tout simplement parce que j'ai pris les décisions qui, à un moment donné, ont porté leurs fruits. Et encore une fois, voilà, du fond du cœur, les amis, c'est ça que je vous souhaite. Et c'est ce qu'il est possible de faire. Ça prend pas énormément de temps. Quand je vois, par exemple, le groupe des Light Goals, ça prend 2 minutes par match. Ça prend littéralement, en posant à l'aveugle, parce que c'est ça qu'on fait dorénavant. Ça prend 2 minutes par match pour gagner de l'oseille. Si c'est trop,
c'est que t'as pas envie. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Et je pense que ça en passe par là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire? À quel moment est-ce qu'on va se dégager un petit peu de temps pour arriver à ses objectifs? Voilà les amis, encore une fois, tout ce que je vous souhaite, tout ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est le meilleur. C'est que vous y arriviez. C'est que vous fassiez un putain d'oseille de fou. C'est que vous, si vous êtes dans le même domaine que moi, c'est que vous alliez braquer la FDJ si vous êtes encore sur les bookmakers français avant de vous faire limiter, parce qu'avec moi, vous allez gagner beaucoup trop d'oseille pour rester sur les bookmakers français. C'est de les braquer en fait. C'est de les braquer, c'est de faire du mal à Betclic, c'est de faire du mal à Winamax jusqu'à ce qu'ils vous suppriment votre compte, les mecs, et vous fassent un virement de dingue. C'est ça qu'on veut, les bébés. C'est ça qu'on veut. Voilà, les amis. Encore une fois, la promotion est encore disponible pour à peu près 48 heures, il me semble. Elle s'arrête à 20 heures, heure française, vendredi, si et seulement si toutes les places ne sont pas parties. Ce qui est fort improbable, autant vous le dire. Donc, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant. Voilà. N'hésitez pas à booker votre appel, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le groupe des Lagos. Votre premier week-end est à 9,90. 9,90. Si votre premier week-end est en négatif, putain, je vous fais le suivant gratuitement. Je sais pas quoi vous dire, il n'y a pas plus transparent, je ne peux pas vous dire mieux, il n'y a pas plus honnête dans la démarche. Donc voilà. Sortez de votre routine, les amis. Sortez de votre routine. Malheureusement, elle apporte rarement des choses magnifiques, d'accord? En sortant de votre routine, en créant du temps, en prenant des décisions, c'est comme ça que vous y arrivez. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse, comme d'habitude, faites attention à votre position, bon trading, faites de l'oseille.